Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans notre quatrième bilan, donc le bilan du quatrième mois. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, donc le jour du réveillon. Donc d'abord, bon réveillon à tout le monde et joyeux Noël. Donc on commence tout de suite. Alors, ce mois-ci avec la famille, ça a été super bien, au top, comme d'habitude. Je me plains toujours pas, j'ai même pas envie de rematcher ou quoi. J'aime vraiment ma famille et je suis vraiment heureuse d'avoir choisi cette famille-là. Après, au niveau de l'anglais, et bah pour moi je me suis énormément améliorée. C'est pas moi qui trouve que je me suis améliorée. Enfin, si, un peu, mais les gens. Il y a au moins 3 ou 4 personnes ce mois-ci qui m'ont dit « Laura, tu t'es vraiment vraiment améliorée en anglais, félicitations !» Aussi, j'ai fini mes cours de grammaire et j'ai eu 82% à mon test final, soit grade B. Donc je pense que c'est plutôt bien pour quelqu'un qui avait le niveau que j'ai au début. Je vois que je me suis vraiment améliorée, je suis fière de moi là-dessus. J'ai vraiment hâte de continuer pour m'améliorer encore plus. Je pense vraiment qu'à la fin de l'année, je saurai très bien parler anglais. Donc désolée pour le fait que je parle du nez parce que je suis malade aussi. Donc ce mois-ci, je suis tombée malade il y a déjà 2 jours. Mais bon, voilà. Dans la partie vie sociale, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gens qu'on se rend compte que c'est pas des gens qui nous correspondent. Il y a des gens où on se rend compte que justement, on les adore plus que ce qu'on pensait. Malheureusement, on perd des personnes, on retrouve des personnes. Je me suis promise d'être pas moins avec les Français, mais d'avoir plus d'amis étrangers. Donc du coup, ma langue, c'est pour ça aussi d'un côté que ma langue anglaise s'est améliorée. Donc voilà, oui, il y a des personnes que j'ai perdues ou que je suis en train de perdre. Mais bon, vous savez, à un moment donné dans notre vie, c'est vraiment l'avantage de l'expérience au pair, c'est qu'on arrive à se retrouver, on se découvre. On apprend vraiment qui on est et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas vraiment importantes. Qu'il y a des gens que, oui, ils arrivent dans notre vie et ils repartent et c'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir avancer, il faut pas vouloir absolument les rattraper et les garder près de nous. C'est la vie, c'est comme ça et puis bah, on s'y fait. Donc ce mois-ci, je trouve que ce mois est passé vite, et d'un côté j'ai trouvé que ce mois-ci était long. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein d'événements. Depuis le 24 novembre, il y a eu mon tatouage, il y a eu mon voyage dans le Vernon qui était super sympa, mais après le Vernon je pense que c'est plutôt à visiter au printemps ou en été. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Thanksgiving qui était avant d'ailleurs, donc il y a eu Thanksgiving aussi. J'étais à Boston. J'ai adoré cette ville, c'est magnifique. Vous allez bientôt voir une vidéo à propos de Boston sur ma chaîne. Enfin bref, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Donc le mois a été plutôt long puisqu'il y a eu pas mal de choses. Mais voilà. Donc je l'avoue, pour Noël, je suis un peu triste de ne pas le passer avec ma vraie famille. Mais c'est la vie, c'est une année. Et je le passerai avec le reste de ma famille les autres années. Donc voilà. Sinon j'ai pas grand chose de spécial à dire ce mois-ci, tout s'est bien passé. Vous, si vous avez toujours des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Il y aura pas mal de vidéos qui vont venir, il va y avoir la nouvelle année. Sinon, oui, je pars à Nashville samedi. Donc Nashville, c'est la capitale du Tennessee. On va aller voir les cowboys, la country et tout ça. Bon, ça va être super sympa je pense, avec ma copine Julie. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !